Une nouvelle secousse a frappé Michel Martelly dans la presse américaine. Le grand journal américain qui est le Washington Post qui frappait Michel Martelly très fort. Quotidien américain demandé pour qui ça Michel Martelly toujours gagne résidence États-Unis et surtout pour qui ça monsieur Poco en bacorde. Article relé trafic de drogue et puis un président assassiné aggravé chaos qui déjà existait en Haïti suite à assassinat dans le mois de juillet du président haïtien Jovenel Moïse. Explication confuse qui t'est venue après dossier ça, pas de aucun sens. Une enquête approfondie New York Times sous effort pour défier puissant réseau criminel trafic drogue qui impliquait autorité dans le gouvernement, force sécurité en Haïti et puis élite businessman dans le pays d'Haïti fait lumière sous et assassinat ça et raison probable qui est lié avec lui. Et après Jovenel Moïse t'est sorti dans fait noir pour venir président pays d'Haïti, principalement grâce à sa prédécesseur, ancien président Michel Martelly, lui-même qui a soupçon et qui a un lien serré avec un milieu trafic de drogue là dans le pays d'Haïti. Selon l'article New York Times, Jovenel Moïse a été dressé un dossier et soit fait non monde qui impliqué dans affaire et drogue que il prévoit partager avec États-Unis parmi non ça yo gien non beau-frère Michel Martelly qui c'est Kiko Saint-Rémy Jovenel Moïse a mouri dans chambre la Kaili, ça c'est rappel que éditorial Washington Post l'a fait et une équipe mercenaire colombienne était attaqué Kaila selon New York Times et puis et même sous fait connaît que mercenaires ont cherché on lit ça constitution pays d'Haïti était interdit Michel Martelly reposer candidature et après lui même quand était déjà président donc désormais à vivre Miami côté que monsieur largement considéré et tête li en pile monouel comme un futur candidat qui est capable de revenir président pays d'Haïti encore une question que nous poser à par rapport avec article New York Times là c'est comment faire et malgré accusation avec drogue et puis corruption pour Michel Martelly toujours gagner résidence et sur le territoire américain et en plus pour qui ça monsieur Poco en bacode c'est ça que journal américain Washington Post écrit dans éditorial ça Haïti c'est un narco état de longue date côté la police avec institutions gouvernementales souvent impliqué deux mèches avec dile drogue au pays qui plus pauvre dans l'hémisphère occidental là et c'est un point important pour cocaïne passée, héroïne avec l'autre produit contrebande à destination pays États-Unis en provenance Amérique du Sud. Ça c'est un problème par rapport avec la frustration qui gagne dans les États-Unis et notamment à travers la DIA côté que effort enquête qui souvent est fait pour résoudre problème ça gagne gros obstruction qui fait et au niveau gouvernement en Haïti notamment et puis avec appareil système sécurité haïtienne DEA lui-même pour contre lui gagne soupçon à travers moun kap travay la dans le pays d'Haïti comme quoi yo té kon aidé notre trafic et protéger trafiquant yo parmi cibles plusieurs enquêtes d'hier fait dans le passé yo capable citer nom Dimitri Erard qui c'est lui-même gili avec assassinat Jovenel Moïse. Dimitri Erard c'est ancien responsable sécurité Michel Martelly, il également tes proche collaborateur beau-frère Martelly qui c'est Kiko Saint-Rémy largement qui gagne gros soupçon dans trafic drogue sous lui et c'est Dimitri Erard qui était en charge détail sécurité présidentielle et les dans nuit assassinat et Jovenel Moïse qui te permet à tuer Agajo entrer sans problème la caille président pour l'assassiner impunité avec impunité c'est une règle li tourner dans le pays d'Haïti, c'est pas une exception, presque personne dans le pays a et pas jamais coupable dans aucune infraction qui a rapport avec trafic ça yo y compris responsable parmi actuel ministre justice là
qui était impliqué dans la protection trafic en drogue et contre enquête qui t'a fait sous dossier ça même bagage qui est dynamique New York Times là Haïti et dans chaos kounia gouvernement là qui pas élu la quartier là c'est bandi exam criminel gang qui contrôle yo économie pays a en ruine et puis en l'autre thème c'est un paradis attendez journal l'a dit Haïti c'est un paradis pour trafic de drogue. Administration Biden nan c'est là que journal la pas passé prend autorité américaine yo dit que administration Biden nan et yo fémeje yo sa k'ap passé nan pays d'Haïti comme quoi m'tadou c'est pas problème pa yo américain yo capable imaginer que problème Haïti pas concerné yo et pourtant problème Haïti yo d'une façon ou d'une autre yo échoué yo al atterri chaque fois sous côte américaine yo non seulement en tant que réfugié là ici après quand là ici après débarquer en Haïti de façon États-Unis de façon illégale mais tout sous forme de contrebande voilà et éditorial ça qui baille opinion board et Washington Post sous dernière enquête que média et New York Times en fait sous question trafic drogue lié entre Michel Martelly et trafic drogue lié entre Michel Martelly et assassinat Jovenel Moïse etc etc nous est tout qui passé pour l'administration Joe Biden nan qui là actuellement et même les journal la pas cité ça qui était là avant qui c'est Donald Trump qui était toujours manifester soutien et clairement à et régime PHTK et si PHTK fait autant de dégâts et États-Unis qui pour beaucoup à dans ça parce que ils ont fait intervention en Haïti pour moins que ça nous rappelle sous jamais travaillé des boutons là des reviews en pile autorité américaine nous fait comme si ils ont pas comprendre et encore une fois n'article ça et éditorial ça bien évidemment qui fait référence à New York Times là aucun lien possible pas fait avec Laura Lamotte ni avec l'autre monde qui était sous place en cours Claude Joseph et ancien chef la police là etc etc donc voilà moi-même qui mets une bagaille dans l'article ça avec qui met deux bagailles qui font premier bagaille qui met qui font là c'est le fait que article là dit que Haïti tournait un paradis pour trafic de drogue donc et à travers éditorial ça Washington Post clairement montré l'implication, complaisance ou bien si on dit participation autorité gouvernementale avec la police dans le trafic de drogue là fait que Haïti vient tourner un espace dans zone là qui dans monde là qui plus facile pour trafic de drogue fait pour drogue transiter à les États-Unis mais qu'il y a une question pour me poser pour qui ça un pays qui permet que drogue passe plus aux États-Unis et puis États-Unis pas fait rien. Alors que États-Unis c'est un pays qui toujours nous elle a goumé contre drogue. Est-ce que Pilatix sont capable accabler Martelly après le fait que Martelly prend prison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour une bataille politique pour élection pour venir cap régler? Mais est-ce que vraiment Martelly prend en difficulté tout bon? M'a poser question. Est-ce que Atik Sayo pour le faire arrêter Martelly? Est-ce que si Martelly arrêté et que l'autre camp qui est en face à savoir qui censé en face là, m'a pas dire comme ça, c'est pour Laurent Lamotte. Matéliza prend prison. Est-ce qu'il n'y a pas de bagaille dans le tout pour le faire arrêter la moto parce que tu as fait tout tes magouilles, corruption, voler l'argent plutôt caribé ensemble? Est-ce que l'objectif là, c'est pour arrêter Matéliza? Mon point de vue, c'est que ce soit Michel Martelly, que ce soit Laurent Lamotte, qui est censé au camp opposé, que ce soit l'international, tout a passé dans la bêtise. Yo tout a passé dans la bêtise, grande victime, nan, à mon avis, c'est nous-mêmes. Parce que, le bagaille qui a fait là, que nous ne comprenons pas. Bataille qui a fait là, est-ce que c'est une bataille pour la justice, pour nettoyer le pays d'Haïti? Si c'était pour nettoyer le pays d'Haïti, c'est pas non Martelly seulement qui a plombé. Ou bien, tout ça qui est lié avec Martelly pendant 10 dernières années, parce qu'il y a eu l'ascension Jovenel Moïse, et Gagot, la Jean-Pétro Caribe, corruption, la mort, tout ministre, puis le chef qui était passé, ils ont tout tapé indexé. Ok? Ça m'a clair sous lui. Donc, c'est pour ça que je pensais que l'autre bataille qui a fait là, et pour ça, on a pu gagner non qui n'a jamais l'homme. Mais deuxième bagaille là, c'est le fait que, médias clairement mandé autorité américaine, comment faire monsieur Zagé résidence sous terre, toujours, et comment faire pourquoi arrêter. Mais la grande question, est-ce que États-Unis pas toujours connaît que, Michel Martelly et consort, t'es toujours impliqué dans la bagaille ça? D'ailleurs, dans l'article New York Times là, il y a une partie qui dit, c'est dit, qui relève Jovenel Moïse qui informe que y a un piste atterrissage côté que drogue a payé et débarqué Jovenel pas jamais connaît. Donc ça qui montre que agence fédérale américaine qui concerne yo y a plus d'informations que nous-mêmes en Haïti que même Jovenel Moïse qui s'adresse à l'IS là. Donc si on pas agi bon raison fait on pas agi.
En tout cas, raison 1, et bien évidemment, c'est nous le faire mal. Mais je me toujours dit, pour Haïti espérer décoller, il faut que Haïti débarrasse avec toute racaille ça. Il aime parler de racaille, détrompez-nous, on ne peut pas parler seulement de PHTK. Je parle de racaille qui était là avant PHTK, de racaille qui passe dans PHTK, qui coule les faiblis, autant que les caplumes. De nouvelles racailles, monde qu'on prend pour monde qui vient découvrir ces racailles, tant que André Michel, etc., etc. Il faut que Haïti débarrasse avec toute racaille ça, sinon n'a toujours notre tête. Et songez ça m'a dit nous. Si nous va faire très attention, 2022-2023, n'importe l'élection en fait là, n'a reprend dans un PHTK déguisé. Et c'est pour ça que ce travail ça fait là actuellement.